Salut à tous, c'est Gabi Gamoine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gardien de la Galaxie. Du coup, on prend le mode normal et on va démarrer une nouvelle partie. J'espère que la reprise des vidéos va vous plaire, avec une meilleure qualité bien sûr. Et on commence déjà la vidéo du coup. Ok, du coup là on peut regarder les titres. C'est stylé hein, le déplacement de la caméra. Star-Lord. Du coup on va reposer hein. Rolling Stone. Pas de m'entendre. Une nouvelle cassette? Star-Lord? C'est qui lui avec les yeux effrayants? Il a pas de nom. C'est un ranger de l'espace. Et en vrai, il est pas effrayant. Il est cool. Il doit pas chômer ton ranger de l'espace. Truc de Narvalo! Plus personne dit ça aujourd'hui, maman. Maman, plus personne parle comme ça aujourd'hui. Eh bien, ta mère, si. On pourrait peut-être se trouver des places pour les voir en concert. Sérieux? On dirait peut-être pas comme ça, mais ta mère était une roqueuse à ton âge. Avec ton père, on s'allongeait sur le capot de ma vieille Chevy et on se mettait du Black Sabbath. T'écoutais Black Sabbath? Je te l'ai dit, ta mère est plus cool que tu penses. On regardait les étoiles et il me parlait des endroits qu'il avait visités. Maman. Est-ce que tu veux un peu de gâteau? Ouais, j'arrive dans une minute. Tu m'as dit ça il y a un quart d'heure. Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Non, t'oserais pas. Tu me connais mal. Non, t'oserais pas. J'hésiterais pas. Hé, mes cheveux. Peter! On a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre. C'est pas un jouet, c'est une figurine articulée. Une charcuteuse de pieds, oui. Attaquer tes pieds, je vais. C'est pas lui qui... Non, laisse tomber. 13 ans, dis donc. Un jeune homme. Ça passe si vite. Ouais. J'arrive dans une minute. Très bien. Je te le promets, t'inquiète. Du coup, Star-Lord quand il avait 13 ans. Arrêtez. Voilà, poser. Ouais, c'est mieux. Du coup, là, on est en train de jouer Star-Lord quand il avait 13 ans. Ah, il y a des choses où on peut... La bataille finale était mortelle. J'ai cru que les héros étaient cuits, mais non, ils s'en sortent. Le personnage, il est assez bien fait. Hein. Ouah! Ça doit être tellement cool de voyager dans l'espace. Du coup, il y a des interactions avec des objets, ça c'est cool. Ouah! J'ai trop hâte d'y jouer. Je peux peut-être convaincre Andy de l'acheter avec son salaire de livreur de journaux. Il n'y a rien d'autre. Ah si. Ça vaudra des centaines de dollars un jour. Je dois battre le record de Jenny. C'est trop la honte.
On voit le record qui est là juste à côté. J'ai réussi à faire 3-1 en une partie. Je suis le barde le plus nul de tous les temps. Ah. Tout ce carnage à cause d'une petite erreur de rien du tout, c'est dingue. Ah, ici. J'ai failli passer à côté. Je suis content de pas l'avoir loupé. C'était un truc de fou! Oh, c'est stylé, vraiment, les mouvements des... Steve Harris. Si je le dis bien. J'aimerais trop conduire une de ces motos lumineuses. Vroom! J'avoue que Tron, en vrai, c'est un bon film. Hein. Vous pouvez aller le voir sur Disney. Hein. J'ai encore mal au doigt à force de marquer les pages. Je sais que c'est pas comme ça qu'on joue, mais j'en ai marre de mourir tout le temps. J'irai plus vite en décollant les étiquettes et en les remettant à la bonne place. Continue de faire des home runs comme ça, George, et t'entreras dans la légende. Le film était bof, mais la bande originale était géniale. Je pense que c'est tout. Hein. On va y aller. On va aller voir la mer. Peter Quill. Peter Quill, debout. Oh, oh bon sang, Rax. Faut que t'arrêtes de faire ça, mon vieux. C'est bizarre. On approche de la zone de quarantaine. J'ai dormi combien de temps? Exactement 15 338 secondes. Oui, c'est ultra précis. La traîtresse est prête pour notre mission. Elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit. Gamora est dans notre camp, Drax. C'est la fille de mon ennemi juré, une tueuse et une traîtresse. Je ne lui fais pas confiance. Eh ben essaie, tu veux bien? On est censé faire équipe. Je ne peux rien promettre. J'aime déjà le jeu. Ah, c'est pas une décharge banale. La zone de quarantaine est le plus gros tas de débris galactiques de tout l'univers connu. Pense un peu à toute l'électronique qu'on peut trouver. Voilà à l'équipage. C'est illégal seulement si les Nova nous chopent la main dans le sac, alors t'inquiète. On peut pas. Monsieur Rocket, sous-estime pas les cohortes de Nova. J'échappe le groupe. Oh non, mais sérieux là. La police galactique? Ils sont plus nombreux que nous. Mais ils sont bêtes comme leurs pieds, là. Je s'appelle Groot. Ah, t'es là, Quill. Groot s'inquiète, dis-lui qu'on va pas se faire coffrer. Je s'appelle Groot. Je suis pas présomptueux, je présume qu'on peut s'en sortir crème. Lui faire peur ou rassurer Groot? On va lui faire peur. Si on se fait choper, il nous liquide direct. Aux abords de la frontière, les flics prennent pas le temps d'arrêter les voyous. Je s'appelle Groot. Ah, et t'inquiète, mon grand. Les Nova sont pas des excités de la gâchette. C'est plutôt le genre à coffrer les gens et à porter des casques. Ah, c'est stylé. Il y a vraiment des interactions avec tout. Les voix sont vraiment bien faites. Les petites voix, vraiment. Surtout Rocket. Sympa, tes bidules, Rocket. J'appelle ça des pulsateurs. Admettons qu'on déjoue le champ magnétique et qu'on atteigne tes coordonnées en un morceau. Il n'y aura plus qu'à activer ces petites beautés et le monstre rappliquera en moins de deux. Inspecter, c'est comme genre les pulsateurs ou le laisser travailler. C'est censé marcher comment?
Le pulsateur fait blip 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 et le monstre se pointe en courant. Ça fait plutôt... Arrête ce boucan ! Ensuite, le monstre sort de sa tanière à toute vitesse. T'es sûr de ton coup ? Eh, c'est ta source qui nous a fourni toutes les infos, Quill. Ma source est ultra fiable. Ses coordonnées pointent toutes vers un monstre rare, insaisissable et qui pourrait rapporter gros. Sans aucune description physique pour nous aider. Normal, il est insaisissable. Oh, peu importe à quoi il ressemble. Tant qu'il a des oreilles, vous pouvez être sûr que grâce à mes pulsateurs, il va se jeter dans nos bras. Ok, genre en gros c'est un truc pour attirer le monstre. Pour qu'on le chope. Et là-bas il y a Gamora. Gamora ? En haut, Peter. Hey, c'est mon siège. Oh ! Alors pourquoi t'es pas dessus ? Je cogitais sur des trucs. Ah. C'est bien beau de s'infiltrer dans la zone, mais on a aussi un monstre à attraper. D'accord. Bon, j'ai raté des trucs. À part Drax qui arrête pas de me fixer du regard bizarrement ? Pas vraiment. Maintenant, si t'as fini de cogiter, récupère ton siège, on va pas tarder. Regardez-moi quand même ce décor magnifique. C'est vraiment impressionnant. Bon, on récupère le siège. Ok, on y va. Rocket, Groot, Drax, venez là, on va entrer. Il reste quelques minutes avant le prochain intervalle, en fait. Le prochain ? Le système de sécurité des Nova se relance à chaque rotation. On doit entrer et filer avant expiration du code, sinon on sera bloqué. Et si on attend la réinitialisation, on aura une rotation complète pour le faire. Pourquoi elle est encore là, la protection ? Je croyais qu'on devait entrer. Il semblerait que les contacts de la tueuse soient aussi fiables que la traîtresse elle-même. Ah non, hein, me dites pas que les codes de piratage de Gamora sont foireux. Ça nous a coûté un bras, ces trucs. Relax, Rocket. Il nous reste quelques minutes avant le prochain intervalle. Le réseau s'est réinitialisé. Tu peux saisir le code, Peter. 0, 4, 5, 1. C'est tout ? Quatre chiffres ? C'est suspect. Ces mesures de sécurité sont trop simples pour les cordes de Nova. 0. C'est pas si simple. 4, ce code ne fonctionne que 5, pour ce vaisseau à une date 1. Précise. Oh, Mazette, j'ai pigé. Les codes de Gamora sont une sorte de clé d'encodage, dont le rôle est d'intégrer des données temporelles et le numéro de série de notre vaisseau dans un générateur de chiffres local. On entre. Voilà. Ça a marché. Incroyable. J'avais jamais réalisé que la guerre avait laissé autant de trucs. L'armée Chitauri était pas du genre à se retenir. Surtout sous la direction de Thanos. On ne doit plus risquer grand-chose maintenant. Enfin, je veux dire, les corps de Nova ont eu 12 ans pour virer tous les méga-explosifs, pas vrai? Ah, c'est pour ça que je t'aime bien, Quill. T'es tellement innocent. Ah, toutes ces délicieuses folies que je pourrais faire. Concentre-toi, rongeur, nous ne sommes pas venus là pour piller. Ben pourquoi pas? Les armes du Milano mériteraient un petit coup de neuf. La bête qu'on cherche a plus de valeur aux yeux de la reine des monstres de cette Narf 9 que des pièces obtenues illégalement. Oh, c'est pas très accueillant par ici. Je vois pas de monstre, mais ce gros cylindre droit devant ressemble au vaisseau extracteur que la copine de Peter nous a dit de chercher. La copine. Ouais, ça va, c'était pour une nuit. Et le monstre, vous le verrez dès qu'on aura mis les engins de roquette en place pour l'attirer. Carrément. Allez, Groot, Quill en costume. Et en voiture, Simone. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est sarcelle. Sarcelle ?
Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer les pulsateurs des deux côtés. Deux parois, deux équipes. Et deux bornes avant le site de largage. Sol trop instable pour atterrir. Vous devrez sauter. Place aux professionnels. En route, Groot. Allez, t'en fais pas. Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre et on capture le monstre tous ensemble. Très bien. Et un pulsateur, hein. Gamora, prends soin de mon bébé. C'est un vaisseau, Peter, pas un enfant. Oh. T'imagines un peu? Suivez Rocket. Quoi? Suivez avec la visière. Une nanorésine spéciale, pour pas que tout ce bazar de guerre se mette à flotter. Matière cassante, organisme parasite étranger, futur fragile. Ouais, complètement. Je s'appelle Groot. Non, mais non, c'est pas dangereux. Dis, tu veux bien laisser tomber cette bouillasse toxique? Qu'on s'intéresse au trésor de guerre qu'elle renferme? Non, mais je voulais pas dire toxique, toxique, mais genre, à pas mettre dans ta bouche. Hé, hey, quand on aura vendu le monstre, moi je propose qu'on aille à Nowhere. Parier de l'argent? Je s'appelle Groot. Est-ce qu'on peut tirer? Oh. Je s'appelle Groot. J'ai tiré sur quoi, meilleur tireur que moi. Ouais, j'ai tiré sur ça. Cabo. Vérifie juste que mes flingues fonctionnent. La subordination de l'assassin devient insoutenable. Je fais exactement ce qu'on avait prévu. Il y a quoi là-haut? Et elle me contredit sans arrêt. Ah, je peux pas dans le double saut. Milano, Drax. Fais un effort. T'as glané quelque chose qu'on peut revendre? Je vous laisserai lire. Je mettrai un petit pause pour que vous le lisiez. Allez, Quill! Deuxième, c'est par là! Je présume que t'as une carte ou un truc du genre? De bonnes blagues! Tu viens pas de dire piou-piou? Quoi? On est dans un décor super lugubre, Rocket. Ce serait vraiment pas mon genre de le prendre à la légère. On va où? Du coup, j'ai ramassé des composants. Wow. Je crois que ce gros cylindre là, c'est notre point de rendez-vous. Ouais, le vaisseau extracteur. C'est trop bizarre de les voir agglutinés comme ça. Tous ces souvenirs d'une guerre aux quatre coins de la galaxie maintenus ensemble par... de la glurose. De la nanorésine à base d'ébrium. Ouais, pareil. Ce que je veux dire, c'est que ça laisse pas indifférent. Bon, du coup, espace pour passer les obstacles. Je crois que je l'ai pigé, le concept. Regardez, jaune et bleu. Ça doit être une vieille frégate des cordes de Nova. Oh, c'est sympa. Non, mais arrête. Les gens ont dû mourir à bord de ce vaisseau. Oh, le rabat-joie. Pourquoi tu nous as travaillé jusqu'ici si cet endroit est aussi sacré? Je s'appelle Groot. Je peux te citer une dizaine de planètes pleines de monstres. Alors, pourquoi ici? On est sur la paille, Rocket. Il va falloir qu'on perce. T'en as pas marre de manger des racines de Yarrow? C'est tout farineux. Écoutez, on est en zone interdite. Le monstre qui vit là, personne n'en a eu un comme ça. Lady Elbender cherche la rareté dans ses acquis. Exactement. Oh mince. C'est bon. J'ai rien. Ah, t'as failli gonfler les statistiques de la guerre avec du retard. C'est pas drôle. Eh, tu vois? Ça, j'aime bien, là. Ça, c'est marrant. Faire des trucs, tous les trois, comme à l'époque où on a commencé. Avant que tu sais qui nous rejoigne. Je s'appelle. Mais non, je déteste pas tout le monde. Je tolère Quill. Évoquez le passé. Je souhaite Quill. C'est vrai qu'on en a eu des moments sympas. Tu te rappelles le job sur Draconius? Les autochtones n'ont pas apprécié qu'on les embarque avec nous. Ah, ah, les métamorphes, je te jure. Plus jamais ça.
Wow ! T'es sûr que c'est un cul-de-sac par là ? T'es sûr ? Oh là ! Ah, allez, allez, c'est bon là, c'est par là, allez, hop ! Comment est-ce que tu sais ça ? Fais-moi confiance ! Hé, hey, Groot ! Tu crois qu'on peut trouver des morceaux de l'éclat de Trion par ici ? T'as jamais entendu ? De mal concentré qui corrompt tout ce qu'elle pousse. Et comment ça j'invente ? Allez, cite-moi une seule fois où j'ai dit des bobards ! Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Comment tu pouvais savoir que c'est un cul-de-sac à l'autre bout ? Parce que contrairement à toi, j'ai un sens de l'orientation très pointu. Oh. Ah, il y a un truc là-bas. Ça c'est quoi ? Je s'appelle Groot. Non, mais je te l'ai déjà dit, on se fera pas choper. Oh, oh. Attention, oui. Oh, oh. Oh. Pas de soucis. Pense à des corps fragiles. Ah, je déteste cette pernique mangeuse de vaisseau. Elle te boufferait le Milano en moins de 2 cycles. Ah, belle gerbe! Eh, hey, 50 unités que je peux en dégommer plus que toi de ces bidules. Ouais, genre. Enquête, c'est toi qui as fait ça? L'affichage des scores, ça te plaît? J'ai plus ou moins piraté ta visière la dernière fois que tu roupillais. Quoi, tu pirates mon matos? Vu le nombre de fois que je t'ai rafistolé, on peut presque considérer que c'est mon matos. Du coup, je dois aller où ? La distance de placement optimale pour le pulsateur se trouve par là. Je s'appelle Groot. Droit devant. Voilà. Derrière le trou géant où vous devez se trouver le cockpit du vaisseau. Du coup, je vais y aller. C'est là, hein. Écoutez, c'est quoi y penser. Je préfère pas me demander ce qui est arrivé à ceux qui bossaient dans ces vieilles épaves. De toute façon, ça fait un bail. Siège de la navette, Adora. Ici, il y a un truc. Ah, incroyable! Ah, j'aurais dû le filmer, ça. Fais-moi passer, Groot. Je veux voir s'il est vivant. Je s'appelle Groot. Je sais pas, mais mieux encore. Hey, Quill! Espèce d'emplâtré! Tout va bien en bas? Ouais! Ouais, ouais, bah j'ai cru... Voir un raccourci. Ouais, c'est ça, un raccourci. Continuez sans moi. Je vous rattraperai. Ok. Il y a une baie de missiles déglinguée des Nova de l'autre côté. On se retrouve là-bas. Baie de missiles bleus et jaunes. Ça marche. Est-ce que je peux grimper ? Prenez garde. Je suis attaqué par d'étranges créatures en posant un pulsateur. Ça veut dire que ça marche. Ça ressemblait à quoi ? À un orbe couvert de pointes et de globes oculaires. On tâchera d'ouvrir l'œil. Ouais, il y a un passage. Ok. J'explore un vieux vaisseau sinistre. Tout baigne. Détends-toi, Quill, y'a rien qui va te sauter dessus. Normalement. À part moi et Groot, peut-être. Il y a encore les... Comment t'en sors, la petite roquette au sol ? Ça va. On attend que Quill se pointe. On équipe avec ton tâche des questions. Là ! Qu'est-ce qu'il y a, Quill ? Tu veux tout démolir ? J'ai tiré sur un truc. J'ai pigé. C'est ton outil le plus efficace. Bon. Drax, t'es vraiment sûr que Lady Bidule chouette là, elle va nous acheter un gros coup. Utilisez ça, maintenez pour viser. Je suis un peu occupé. Oh, c'est de la triche. Quoi, de la triche? Ah, oh, vous auriez dû voir ça. C'était un genre. Appuyez sur C. Blob visqueux. Pour effectuer une attaque au corps à corps. Ah, cette fois, je me ferai pas avoir. J'en ai explosé un autre. Là, je vais le prendre au corps à corps. Ouais, ça one shot.
Il avait qu'à faire gaffe. Tout va bien de votre côté? Quill a failli se faire bouffer par une espèce de blob. L'on l'a entendu, Quill. Et tu dois te battre dignement, Peter Quill. Ou mourir dignement, hein? C'est pas drôle. En haut, il y a l'objectif à 20 mètres. Faut que j'aille où? Faut que je rentre. C'est des coups. Hé, Gamora! Fais gaffe que le Milano se retrouve pas englué dans de la résine! Si ça arrive, je dégagerai par la force. Pas de soucis. Quill, on mise gros en partant chasser le monstre mystère. J'espère que le tuyau de ta copine est fiable. Je s'appelle Groot. Oh, comme si t'avais vu. Sophie au plan ou évoquer le plan B. Évoquer le plan B. Si on installe tous ces pulsateurs et qu'aucun monstre se pointe, on fait le plein de pieds détachés pour les refourguer quelque part. Ouais, on a un max de temps pour enlever tout ça. Oh, purée, dégagez. Je s'appelle Groot. C'est bon. Oh. 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 Non mais shit, blague. Je pense qu'on peut pas tomber. Hein. Ah la vache! On a failli laisser notre peau! Ça va, Groot? Quill! Ça va! Mais on pourra pas sauter! Mais y'a pas besoin de sauter! Y'a une poutre solide de ce côté-là! Demande à Groot de créer un pont! Demande-lui gentiment! Au moins, il le fait tout le temps! Maintenez mage pour ouvrir le mode gardien. D'accord, Groot. Monte voir ton truc cool avec la branche. Avec ça, tu dois cartonner en soirée. C'est stylé, hein. Là-bas, il y a des composants. Encore des bouffeurs de vaisseaux, il y en a partout. Ouh, super. Allez, affaires reprises. Je t'ai eu. Juste tout tourner, Quill. Viens. Gamora, c'est quand que tu comptes partager tes contacts et tes sources? Rocket, tu peux nous emmener jusqu'au tas de débris? Non, je suis pas assez souple. Groot, j'ai un point d'ancrage, tu peux t'y attacher? Je s'appelle Groot. Hé, les verdins, vous nous faites signe si vous apercevez des vaisseaux jaunes et bleus! Nous en avons vu beaucoup. En train de patrouiller, il veut dire. On n'a pas parlé de la marche à suivre si on croisait les Nova. Nous les immobiliserons en attendant d'avoir fini. Mauvaise idée! Tous ces flics sont connectés avec leurs casques débiles. Conseil de fuir. Ils ont qu'à fermer la barrière. Et on restera bloqué dans... Si vous voyez des flics, vous faites dégager mon vaisseau. Même si ça implique de nous abandonner. Ah, t'es ma boule! Croyez-moi, j'ai déjà eu affaire aux corps de Nova. Je les ai même aidés... Je s'appelle Groot. Ok, on y va. Très bien, installe-le juste là. Je s'appelle Groot. Ouais, encore un. Non! Non! Gros tas de boules! Cette batterie est cramée, voilà ce qui va pas! T'as peut-être trop forcé? Bon, on va trouver une solution. Bah, la solution, c'est une nouvelle batterie, avec du jus. Ok. On est dans une épave de vaisseau. Pleine de trucs de vaisseau. Il doit y avoir des trucs pour faire marcher des trucs. J'ai un truc avec une charge! On dirait une, ah, j'ai une batterie. De voiture de l'espace! C'était ça, non? Ça s'est déchargé. Ouais, j'étais assez rapide, non? Ça va pas m'électrocuter, hein, on est d'accord? Ah, les chances sont infimes, vraiment, non, mais t'en fais pas. Je la pose. Et voilà. Ça conviendra, faut juste que je bricole un peu. Il y aura quelques réglages à faire le temps que je calcule son rendement. Alors protégez-moi. Te protéger contre quoi? Oh non. Rocket, aide-nous à virer cette saleté. Ah. Groot est un solide défenseur capable d'encaisser une quantité importante de dégâts. Sa spécialité, retenir les ennemis nombreux. Sa capacité de base, barrière végétale immobilise les ennemis dans une zone restreinte pendant un court instant. Ah, ça peut vraiment être avantageux. Du
Comment je peux courir? C'est facile à dire pour toi que des extrémités pointues. C'est quoi ça? J'en fais pratiquement rien. Je déteste les insectes. Par contre, ça fait de la belle purée. Oh! Comment j'ai fait? Un problème de vermine sur les bras! On a dû les réveiller en pleine sieste avec une tournante! Et là, on a eu flippant en moins! Oh, je... Ah, faut que je saute et je tire! Alors, t'en approches pas! Ok, ok. Enfin. C'est bon, voilà, c'est branché. Waouh, super timing. Tu t'occuperas du bricolage la prochaine fois. Allez, encore deux, et puis c'est bon. Comment j'ai fait? Ouais, je sais pas, je crois que c'est quand le combat. À part ce passage, je vois pas d'autre sortie de la benne missile, mon grand. Groot se demande si la récompense sera à la hauteur de tous les risques qu'on prend pour cette mission. Groot et moi, on est presque increvables, mais imaginez que vous vous en sortiez pas tous vivants. Écoutez, cette mission, c'est du très 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 lourd. C'est pour la reine des monstres de Seknarf 9. C'est juste qu'elle n'est pas encore au courant. Si on réussit, on devient... Dresseur de monstres intergalactiques de Lady Elbender. Je préfère ce nom, mais l'acronyme est imprononçable. Non, on reste les gardiens de la galaxie. Mais ce sera un synonyme de qualité pour tout le monde. On se bousculera pour nous avoir. Des clients plus prestigieux que Lady Elbender. Waouh, c'est démesuré ce machin. Vaisseau ou robot, à ton avis? C'est une sentinelle. Un robot? Mais il aurait eu sa place dans les étoiles. Ah, c'est même pas la plus grosse. Ils ont pondu au moins 5 modèles expérimentaux 2 fois plus grands. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'était des expériences sur le demi-monde, tout comme moi. La plupart de mes pièces provenaient du hangar cybernétique d'à côté. Je pense qu'on va pas aller là. En vrai, c'est pas mal les dialogues. Juste... Il y en a beaucoup trop. Mais il y a une bonne ambiance dans le jeu. C'est vraiment magnifique. Je voulais pas rouvrir de vieilles plaies. Non. C'est plus que des cicatrices pour la plupart. Pour les savants foutris les plus allumés, j'étais même pas une personne. Plutôt un genre de flingue sur pattes. Un flingue à la langue bien pendue. Ils ont voulu régler ça plusieurs fois. Oh non, il a marqué un point en plus. Il a tiré. Le problème, c'était le complexe entier. Moi, j'aurais voulu retourner tout faire sauter là-bas avant la fin de la guerre. Il y en a pas un autre. Oh non! Comment j'ai fait? Ah, deux fois. J'ai l'air inquiet là? Est-ce que j'ai l'air inquiet? La résine va tenir. Ouais, ça aurait été le coup de grâce. Je sais pas, j'ai fait au hasard. Ah, même pas en rêve. Groot, allez. Groot, tu peux faire un pont à travers l'œil de notre camarade? Non, je vais devoir faire la même chose en plein combat. Du coup, si j'appuie deux fois sur ma touche, ça me permet d'esquiver peut-être. Oh, j'ai gagné mon pari, oui. Je marque un maximum de points. On verra bien. Oh, je suis vraiment trop nul. On est dans la tête. En bas, il y en a. J'ai des pièces de robot dans ma tête. Tu as des pièces de robot dans ta tête. Là-bas. Au-dessus. Ouais, je veux dire, avec les unités qu'il faudra. Wow. J'ai trouvé un nid. C'est peut-être le carré VIP des parasites. Ça y est, je sais ce que je vais faire avec tous mes gars. J'économise pour notre prochaine halte sur Contraxia et je me paie un bon massage xéronien. Oh, mais t'es tellement prévisible.
On passe par là. Il y en a en bas. Exactement. T'es nul, tartiflette. Oh, ici. Je me procurerai des hyper-circuits rotatifs. Personne sait qui c'est. En vrai, j'ai plus de points que lui. Mais il est où? Il y en a plus. Je me demande combien de carcasses de robots géants on trouverait si on fouillait toute la zone. Si c'est une sentinelle que vous avez sous les yeux, on en a vu au moins 3. Je crois que c'est pas juste. T'as 2 flingues et moi j'en ai qu'un seul. J'estime que mes points devraient compter double à partir de maintenant. J'suis c'est de la triche. Ah, c'est à moi de l'installer. Ça va pas énerver toutes les bestioles du coin. Hein? Désolé, Quill, je peux pas prendre de risque après la dernière fois, faut le tester rapidement, on n'a pas le choix. Ah, pas encore. Quoi, il y a directement tout qui arrive. J'ai juste allumé, éteint pour voir si ça marche. Oh, Rocket. Ouais, t'as qu'à leur expliquer. C'est le ménage façon Rocket. Ouais, les dégâts qu'il met. Rocket est un expert aux armes qui attaque à distance. Sa spécificité est d'infliger des dégâts à plusieurs cibles simultanément. Sa capacité de base, badaboum, inflige des dégâts modérés à tout ce qui se trouve dans la zone d'impact. Groot. Deux fois espace. En bougeant. Je peux esquiver comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Arrête ton inventaire, tire dessus! C'est très utile, merci! Y'a pas de quoi, maintenant arrête de me déconcentrer! Je suis Groot. Mangez ça! Et ça! Non! Ah, y'a un temps, y'a un chrono! Attention. Oh, ça met des dégâts. Capacité. Utilisez ça. Accéder au menu gardien et débloquer votre première capacité. Ah, on a accès au personnage. Maintenez. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Comment j'ai fait? Est-ce que. Disent comment. Oh, j'ai des tenues. On va garder celle-là. On va rester dans le lore. On changera peut-être plus tard au prochain. S'il y a des prochains épisodes. Le fight est vraiment stylé, hein. J'attendais vraiment pratiquement. J'attendais pratiquement rien du jeu. Bien sûr que c'est solide. Aussi solide que n'importe quelle épave. De ce qu'on m'a dit. Et. Oh, s'il te plaît, Groot. On doit aller de l'autre côté. Les roquettes te feraient pas courir de danger, si. Et le jeu est vraiment super stylé, hein. Genre, graphiquement, les combats, tout est... C'est juste que ça a l'air instable, comme tout le reste ici. Tout est beau à voir et à jouer. Il y a un très bon gameplay. Ah,
que cette résine peut maintenir un vaisseau de guerre à la noix. Oh, mais ça craint rien, tu peux me croire. Regarde, je vais te le prouver, tiens, regarde ça là. Hop. Roquette. Oh, allez, on saute. Groot, vieille branche, tu vas bien? Je s'appelle Groot. Ah ouais? Tête de mule de morceaux de bois flotté moisi, t'aurais pu mourir en me sauvant. Je s'appelle Groot. Ouais, moi aussi je t'aime, espèce de racine consanguine. Allez, Quill, il nous retrouve au vaisseau extracteur, je veux pas le faire attendre. Quoi, c'est tout? On va pas le chercher? Il dit que ça va, on le retrouvera plus tard. Team Rocket, est-ce que tout va bien? On vient de perdre le signal de Groot. Ah, flac, il a dû péter sa radio en tombant. Qu'est-il arrivé à ton ami, le tas de bois? C'est pas un tas de bois, il est vivant. À qui de Rocket? Rocket a fait tomber une vieille épave. Et on a perdu Groot. Quoi? Il est blessé? Je n'ai rien fait! Elle est tombée toute seule! Et Groot va bien! Team Rocket terminé! Pourquoi t'as dit à la Team Verte que j'étais responsable de l'accident? Faut passer et puis où? Groot va bien! On n'a pas besoin de s'inquiéter! La fière Rocket! Accident, Rocket! Sérieux? Quoi? Ah ouais? C'est ta faute! Si t'avais pas fait l'andouille sur ce vaisseau! Bon. Tu dis n'importe quoi! Arrête de faire ton malin! Ça ressemblait pas du tout à des excuses. Non. Faut aller où? Là-bas. Ouah! Imagine que cette turbine s'allume. On se ferait bien cramer. Bah pourvu que ça arrive pas. Parce qu'il va falloir qu'on le traverse, ce machin. Le vaisseau extracteur est de l'autre côté de cette turbine. Faut qu'on trouve un moyen de traverser. Évite de sauter sur quoi que ce soit, cette fois-ci. Groot sera pas là pour te rattraper si... Quill, soit tu fermes ta bouche, soit tu m'aides à comprendre comment on ouvre ces volets. J'entends le bruit de ta visière. T'as pas intérêt à tisser pendant le pari, Quill. Comment t'arrives à entendre? Ah, je sais pas tirer. Et pourquoi? Oh, ouais. Oh, est-ce que je peux le tirer? Il est titille la plupart du temps. Ah, je peux pas tricher. Will, je t'entends scanner. Il y a un tunnel d'accès des drones par là. Dommage qu'on ait pas de drone. Tu peux te glisser là-dedans. Oh, je le savais. Rocket, répare ce truc. Rocket, mets-toi ce bazar. Rocket, mets-toi dans ce trou bizarre. Tu vois quelque chose? Les commandes manuelles. Team Rocket, on a eu un pépin. L'un de nos emplacements est couvert de résine. On redécolle pour poser le pulsateur autre part. Faites en sorte que le nouvel emplacement soit aussi près que possible de l'original. À cause des chiffres et des angles. Super, encore une turbine. Ouais, ouais, c'est fabriqué comme ça en général. Piou, piou. Et là. Et... Quoi qu'on s'est entraîné. Allez, on s'arrache d'ici. Faut passer... Wow. On a retrouvé le chemin. Le vaisseau extracteur est par là. Tu crois que Groot a pris de l'avance sur nous? Peut-être. Non, 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 non. Wesh. Que mon pantalon craque pas! Oh, j'ai trouvé une technique! Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, il gagne des points? Non! Je t'ai dit que je les avais vus! Juste à temps! Comment vous avez. Je suis contente de te voir aussi, mais il va falloir traverser le vaisseau le plus vite possible. Essayez de nous le maintenir en place! Bientôt, ce ne sera même plus une option! Cette position est insoutenable!
Grâce au dite manié, vitam. Attention à l'impact. Non. Je fais moi. As-tu succombé, Non. Il y a trop de débris. Ok. Allez, chien. Je vois rien. C'est quoi ça, Anna? Ok, les systèmes vitaux se remettent en marche. Tu vois de ton côté. Merde, la crête, c'est pas bon. Oh. Ça craint du boudin. C'était quoi ce truc? Je dirais un essaim de vieux bottes de ménage. C'est possible? Des vieux bottes de ménage. J'en sais, moi. Vraiment bête requête. Pourquoi ils vont pas le récupérer? Je vais aller voir. Je sais pas. Désolé pour les coups. J'ai cru que t'étais cette cochonnerie qu'on a libérée par accident. Il y a un truc là-bas. Espèce de créature bidon qui vole. Pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est bon, et à propos de créature bidon, on paraît que la team verte est en train de galérer pour garer mon vaisseau. Je crois que j'ai fait assez de paris pour aujourd'hui. Ouais, pareil pour moi. Du coup, là, je peux directement changer les tenues. Ah, du film. Il est vraiment stylé. Est-ce qu'il y en a peut-être tenue. Non. Toujours pas. On verra si on peut trouver d'autres tenues. Personne a gagné. C'est juste une excuse pour flinguer des trucs. On va fouiller partout pour trouver les tenues. Comment t'as réussi à dormir, vieille branche ? Je sais pas. Et voilà, les coordonnées de rendez-vous sont par là, mais on devra trouver un moyen de contourner les décombres. Je vais essayer de trouver une alternative. Oh, il y a peut-être un truc. Là. Oh, la jolie pièce que voilà.
Une table, c'est un établi d'époque. La série T, ingénieur, on n'en fait plus des robustes comme ça. Hey, viens voir, Quill. On va voir si cette vieillerie marche encore. Je peux peut-être bricoler ton matos. Tiens, passe-moi ce boulot. Alors, avec l'aide de Rocket, utilisez un établi pour fabriquer des améliorations. Les améliorations disponibles apparaissent quand vous l'activez. Il vous faut des composants spécifiques pour fabriquer. Ok. Les composants. Okay. Et une petite merveille, une. Est-ce que je scan tactique, vol plané. On peut améliorer quoi d'autre? Je pense que le vol plané, ça peut être vraiment intéressant. Une seconde, et voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Ouais, on pourra passer si je fais dégager tout ce bazar. Recharge rapide permet d'annuler le temps de recharge de vos pistolets élémentaires afin d'infliger plus de dégâts. Tirer en continu entraîne une surchauffe. Quand cela se produit, des zones vertes apparaissent sur la zone de recharge. Appuyez okay, clic gauche à ce moment précis pour empêcher la surchauffe. Un peu comme Battlefront. Tire avec ma nouvelle fonction rapide pour pas que ça régénère. Ah, j'ai raté. Trouve le bon timing pour surcharger le fluide de refroidissement. Et bam! Okay. Ça défonce. Et merci pour l'amélioration. Ça a l'air un peu bancal. Attendez avant de manger. On n'arrête pas de croiser des trucs moches. Ah! Je suis pas tout seul en bas. Il va falloir que tu te débrouilles. On va chercher un autre accès. Oh la vache. Ces trucs là ont été inventés. Non. Je prends des mandales. J'en ai fait de la purée. Le matin est clair. Ah, j'ai pas le timing. Rocket, mon bonhomme, t'as loupé un truc de fou furieux. Team Rocket? Ah, enfin. Vous entendez plus. Il y a quelque chose dans le vaisseau extracteur qui bloque nos échanges. Hé, hey, y'a un truc qui tombe pas rond ici. Et du coup, il est encore tombé dans un trou. Quoi, encore? Je stationne le Milano. Max est déjà parti à votre recherche. On trouverait peut-être Quill avant nous. On essaie de le rattraper. Dites, on a vraiment des progrès à faire niveau camaraderie. Ce n'est pas ma camarade. Si. Ouais. Je te trouverai. Ah, du vieux métal, du vieux matériel de minage, du vieux... Je vais pas passer par là. Trop bizarre, les trucs qu'ils ont minés. C'est quoi? Je sais pas, des cubes tout bizarres en pierre ou en métal. C'est quoi encore ça? Encore un truc trop bizarre! Bizarre comment? Tu lis dans mes pensées! Ce truc refuse de mourir! Je vais à peine y gratigner! Dites-le plus fort! Maintenez CTRL-LG. Ah, et du coup, ok. Comment je sais pas esquiver? Peter Quill, cache-toi derrière moi! Je te protégerai! Personne ne se cache! Drax. Montre-nous ce que tu sais faire. Drax est un boxeur infatigable qui permet d'affronter beaucoup d'ennemis en même temps.
Sa spécialité est de déstabiliser les ennemis et qu'ils ne réagissent pas aux attaques classiques. Sa capacité de base, destruction, inflige des dégâts légers et un chancellement important. Il a cédé. Allez, go, 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 go. Ah. À mon tour. C'est le moment, camarade. Tu sentiras presque rien. Crabe est mort. Gamora, la femme la plus puissante de l'univers. Gamora est une tueuse hors pair qui élimine rapidement ses ennemis. C'est une spécialiste des attaques rapides qui inflige beaucoup de dégâts. Sa capacité de base, frappe assassine, inflige de lourds dégâts à un seul adversaire. Vous avez trouvé Quill ? Trouvé et sauvé. Hey. Bah alors allez-y, on vous rattrape. On arrive au stand. Là, il y a un truc. J'ai posé le Milano près du dernier emplacement du... Montre-nous comment tu te débrouilles, Gamora. Je vous défie de faire ça. Physiquement impossible. Drax, tu pourrais déplacer ce conteneur ? Admirez la force d'un guerrier Cathassien ! Souviens-toi de ce moment lorsque tu essaieras de me piéger, assassin. Je me souviendrai surtout à quel point tu es lent. C'est bon, Rocket. On est en route. Hein ? Ah ! Oh, bah oui, très bien, très bien. Je vole pas si c'est abandonné. Ah, oh, ça fait un hypopète. Ok. Bon, maintenant, Quill. Rocket. Peut-être qu'il a localisé notre monstre. Encore des pièces à ramasser. C'était pas vague, c'était... succinct. Ça doit être une belle petite... Une belle abomination cauchemardesque. Lady Elbender est une guerrière de renom. Le spécimen idéal pourrait être... C'est ça. Truc qui fait peur. La force est différente. Ma petite Camaria et sa mère Ovat étaient deux des personnes les plus fortes que j'ai connues. Ça serait peut-être bien entendu. Je parie que c'est quelque chose de mignon. Lydna aime les trucs mignons, non ? L'hiver ne tient plus en place. Ah. Voilà. Faut que j'aille où ? Là-bas. Vous avez jamais vu un bébé loutre jouer avec ses pattes. Au moins, on récupère des pièces pour des améliorations. Il y en a là. Vous avez remarqué les choses étranges dans cet endroit ? Tu veux dire, à part la communication qui saute sans raison ? Il y avait une raison. J'ai esquivé un ouragan de débris enflammé. Et la connexion a coupé juste avant. Attention ! Allez, on saute. Okay. Ok, Will, on a ta compagnie. Wesh, c'est quoi ça? Si c'est la puissance de notre gibier, tu dois plus être bien loin. Pour l'instant, faisons en sorte de ne pas devenir la puissance. Quand votre jauge de rassemblement est pleine, organisez un rassemblement R. Ok. Qu'ils sont partout, qu'ils se fichent de nous. Oui, mais impossible d'abandonner. Personne ne veut abandonner mon grand, mais là, franchement, j'ai les moustaches qui tremblent, Quill. Faut pas, je relaxe sans prétexte.
ignorer le danger. Des ordures à gauche, des ordures à droite. Le moment est venu de les accueillir et de les éradiquer ce soir. Est-ce qu'on court vers le danger? Arrêtez, ça me fait marrer. Qui est avec moi? Aujourd'hui, je suis le destructeur. Alors peut-être... Il y a trois issues possibles, mais en ce moment, vous avez motivé l'équipe en donnant la bonne réponse. Les gardiens et vous recevez un boost de dégâts. Si vous aviez donné la mauvaise réponse, vous êtes seul à en bénéficier. Dans tous les cas, tous les gardiens morts sont réanimés. Drax. Tu l'as voulu? Tu l'as eu! Qu'est-ce que tu leur distribues, Peter Quill? Aucune chance! Moi, j'en ai toujours pincé pour les fruits de mer! Alors là, je me régale! Huit trop coriaces, la victoire est acceptable! Je crois que c'est fini, non? Ça fait un pli et le sang! Ça, c'est du sport comme j'aime! Magnifique! Faites venir le monstre! Je vibre sous l'effet du combat! J'avais pas besoin d'entendre ça! Allez! Le dernier emplacement est là-bas! Comment tu sais? Mes sens sont affûtés au point de sentir les vibrations les plus infimes! Sérieux? Non. Je localise sur mon écran. On dirait qu'il y a encore du jus. Tente le coup, Rocket. Laissez faire le prodige! Vraiment, tu fais des miracles! Ah! Ces circuits ont été conçus par des gens qui font des trous géants. Notre vaisseau, ça, non? Je dois bien le dire. Le stationnement du vaisseau est impeccable. Thanos n'a jamais toléré l'imperfection. Ah, Quill, ça lui pose aucun problème. Je s'appelle Groot. Ouais. Et voilà, le dernier endroit. J'ai vraiment hâte de sortir de là. J'ai l'impression que cet endroit va finir par s'effondrer. Et je suis impatient de rencontrer le monstre. Je croyais que tu voulais surtout rencontrer l'acheteuse. C'est une collectionneuse respectable. Est-ce que ça marche? Ouais, pas de panique, princesse. Princesse. Alors, ça fonctionne? Quoi? On dirait que ce truc est cassé. Ah, y'a rien de cassé! C'est pile le son que c'est censé faire! Quel son? T'entends pas? De quoi tu parles? C'est le monstre. Le voilà, notre monstre. Ouais, je le vois. Parfait. Oh, merde. La porte, il faut... Ça marche. On va attraper ce monstre. Il est où? Ne vous laissez pas son bras, Robert. Et un truc de moins pour se planquer. Bon réflexe, oui. Il est où? Ça sert à rien de lui demander de ralentir, Groot. Il part où se cacher? Mais il peut encore foncer. Il doit y avoir un moyen de le ralentir. Il sera intelligent avec Groot. C'est un lama. Ce truc là. De toute évidence, c'est pas un monstre. Adorable. Il est plus hirsute qu'une chevreuse gardienne. On ne peut pas présenter cette créature miteuse à la reine des monstres de Seknarf 9. Elle nous mépriserait. On pourrait peut-être en faire un appât. Je savais que ces pulsateurs valaient rien. Est-il? Mes pulsateurs sont irréprochables. C'est crâne de biceps qui a foncé sur le premier truc qui passait par la porte. Mon crâne n'est pas un biceps. Nom de... Vous voyez la même chose que moi, là? Ah oui. Ça, c'est un vrai monstre. Akanti.
le monstre. Ok. Très bien. L'échauffement est terminé. C'est l'heure d'attraper un vrai monstre. C'est jour de paye. Ah, il en a de la barre de vie, hein. Wesh. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est teigneux, hein, pour un bot de ménage. Ouais, c'est la one shot. Tout est en train de s'écrouler, faut qu'on se tire de là, vite. Mode et ruines instables. Trax, on y va. Comment on contrôle? Ah, c'est avec le... Tenez bien vos fesses, ça va chauffer. Ok, musique, ça marche. Concentre-toi sur le vol, Peter. Que quelqu'un lui passe une chanson. Ah. Là, on est d'accord. Fais gaffe au vaisseau. Fais gaffe. Tu vas... Bon, Drax, qu'est-ce que tu fais? Je cale bien mes fesses, comme Peter Quill l'a demandé. Oh, de devoir faire preuve de doigté, là. Non. Tu sais que t'as une tête à plaque. Attention. Nuage de débris en approche. Fais tout péter, vite. Il va falloir viser juste. C'est même pas la peine d'y songer. Le plus rapide, c'est droit au but. Peter, t'as peur de mourir avec une mauvaise conscience, assassin? C'est vraiment galère à piloter. Sur mon vaisseau. Mon vaisseau. Ah, ça suffit, laisse-moi piloter. Tu vas tous nous faire tuer. On n'est pas encore morts. Peut-être que si, on est je en enfer. Ne sois pas ridicule. Cet endroit n'a pas le givre éternel de Sardos. Votre enfer est gelé. Les Catassiens n'aiment pas avoir froid. Bah, essaie de mettre un pull. Voilà, un jeu d'enfer. Oh, et attention. Ouais, merci pour la peau. Attention. Tu veux que je prenne des commandes? Non, je gère. C'est ça, ouais. Attention. Tu fais pas tuer qu'il me reste ses pommes. On va pas s'en sortir. Appuie sur le bouton bleu. Quel bouton bleu? Celui des boosters secrets que j'ai ajouté. Tu peux arrêter d'ajouter des trucs quand je fais la sieste? Appuie, Peter. Ce n'est pas le bon moment pour en venir aux mains. Oh, oh, purée, ça y est, je suis fan du bouton bleu. Il y a des cochonneries partout. On va pas s'en tirer. On va s'en tirer. Peut-être. Voilà la sortie. Allez, dernière ligne droite. Ouais, dernière heure. Allez. On trace. Ouais. Et c'est ça que j'appelle une victoire. Une victoire? Sérieux? Notre monstre s'est fait bouffer. Si notre vaisseau a pu s'échapper, ça veut dire qu'on s'est foiré, vu qu'on a dû s'échapper. Wesh. Pitié, pas les cordes de Nova, surtout pas les Nova, surtout pas les Nova. Les cordes de Nova. Gardien de la galaxie. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine fois. Pour peut-être un épisode 2, s'il y a assez de commentaires et assez de vues. À toutes.